Salut à tous les amis, c'est Bob Story. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo un peu différente des autres fois car nous allons sur Akinator, donc une application qui peut retrouver un objet, un personnage ou un film, etc. que tu penses. Donc je suis avec Sadam. Non plus. Non, maintenant c'est Silver. Et sûr, c'est pas ma faute, tu changes tout le temps. Oui, je change beaucoup de nom, mais actuellement c'est Silver Art D et ça va rester pendant un moment. Et donc j'en profite de cette vidéo pour vous dire d'aller voir ma chaîne en tant qu'affaire et la chaîne commune, c'est Adelmob. Et merci pour les 100 abonnés de ma part et les 100 abonnés de. Oui, merci. Ah, mais je t'ai demandé. Et oui, bon. Du coup, on se retrouve sur Akinator, mais j'aime bien quand tu dis une vidéo un peu spéciale comme toutes les vidéos, parce que à chaque fois, aucune de tes vidéos ne se ressemble. Et c'est très drôle. Bah. C'est mieux que de faire un truc tout le temps pareil. Non, bah c'est sûr. Bon, vas-y, commence bon. Avec un personnage. À part si tu veux que je commence, je sais pas. Je sais pas, d'abord, faut trouver un personnage. Moi, j'en ai plein des personnages. Hein. Bah, vas-y, commence. Vas-y, je commence. Donc, je vais pas vous le dire. En gros, vous allez essayer de le. C'est parti. Voilà. Vous allez essayer de le deviner en même temps que le Akinator. Désolé un peu pour le bruit de fond. Hein, ouais, on est dehors. Allez, les pires youtubeurs du monde, c'est nous. Ouais, on est en dehors d'un alors, restaurant. Alors, ton personnage fait-il des combats? Oui. Toi aussi, tu as essayé de deviner. Hein. Ouais. Ton personnage a-t-il le plus souvent les cheveux longs? Oui. Ton personnage a-t-il le sexe féminin? Non. Déjà, ça fait peur quand il arrive à trouver les trucs de ouf. Ouais. Ton personnage est-il toujours habillé en noir? Pas vraiment. En fait, ça n'est. Ouais, donc c'est pas. Ouais, je sais pas. C'est pas. Non, c'est pas un catcheur. C'est pas. Comment il s'appelle Non. C'est pas Kirito. Le personnage n'est pas. Non, c'est pas Kirito. Le personnage n'a pas existé. Ton personnage est-il un héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Non, dommage. Merde. Il a-t-il une épée? Oui. Ah, tu pensais que c'était un truc comme ça, moi aussi, mais non. Ton personnage porte-t-il souvent un chapeau? Oui. Un chapeau? Ton personnage est-il incarné par Johnny Depp? Oui. Mais putain, mais trop fort! Ton personnage a-t-il joué dans Pirates des Caraïbes? Oui. Et elle a trouvé, c'est Capitaine Jack Sparrow, et voilà. Eh putain, en vrai, cette application est incroyable. Mais comment il arrive à trouver ça et tout? C'est fort, c'est fort. Ah ouais, très fort. Mais bon. Est-ce que t'avais trouvé avant? Non, t'as attendu le. C'est quand j'ai vu. Pirates des Caraïbes, quand ça, j'ai vu Pirates des Caraïbes, ouais. Bon, maintenant à moi de trouver un truc. Est-ce que t'en as un? Ah, attention, il y a une pub. Oh non, c'est horrible les pubs. Il faut aller voir des pubs pendant tout le truc. Eh, c'est pas une opération sponsorisée ni rien. C'est des pubs involontaires. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi j'ai pas envie de lui dire parce que du coup il faut que je trouve aussi, tu vois. Moi j'ai plein d'idées. Ouais, tout à l'heure j'ai fait Dwayne Johnson, il s'est gouré. Ah ouais? Ouais. C'est pas évident de trouver en tant. Et là vous allez attendre pendant une demi-heure. Vas-y, fais un autre. J'en fais un autre. Le temps que je cherche. Parce que du coup j'ai pas préparé de liste. J'ai fait un peu ça sur un coup de tête. Oh bah moi j'y vais au feeling. Alors ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Ton personnage tient rapport avec les milieux du sport? Non. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Oui. Ton personnage a-t-il le cheveu noir? Oui. Kirito? Non. Ton personnage porte-t-il une arme? Non. Ah merde. Ton personnage est-il à l'école? Non. Putain, ton personnage est-il du Dragon Ball? Oui. Il est trop fort. T'es con toi? Bah oui, il peut se transformer en gorille, mais il y a longtemps quoi. Ah mais du coup tu fais Goku. Ton personnage entraîne-t-il son fils? Bah ouais. De temps en temps. De temps en temps. Ton personnage a-t-il vaincu Vegeta? Eh bah non, parce que Goku n'a jamais battu Vegeta, hein, qu'on s'en bat clair. Si. Non. Goku n'a jamais battu Vegeta. Sur l'arc Saiyan, il a laissé partir, mais il est aussi mal que lui. Et sinon. Ouais, mais il l'a battu parce que c'est le Vegeta qui est parti. Bah ouais, mais. Probablement. Parce que c'est pas vrai. Ton a-t-il proche de sa maman? Non. Alors bah non, ça va être compliqué. Vu que sa mère est ton morte, personnage porte-t-il une tenue orange? Oui. Tenue. En 14 questions. Ton personnage est-il tatoué? Non, rien à voir. C'est cool. Son Goku. Eh bah voilà. C'était gouré. En 14 questions. Bravo à toi, Akinator. As-tu un personnage maintenant? Oui, c'est bien lui. Bon. Ah, je sais. Ah, il sait. Non, attends, c'est une pub. Ah, sa mère. J'aime pas les pubs. Voilà, allez, vas-y. Alors. Putain, 3 standards déjà, moi. Alors. Ouais, parce que, genre, Goku, ça, c'est des trucs classiques. Personnage est-il issu de l'animation japonaise? Non. Ah, putain, je pensais. Ah.
Ce personnage joue-t-il dans un film au cinéma? Probablement, je sais pas vraiment. C'est un personnage. Ouais, et a-t-il vraiment existé? Non, je non. crois pas en tout cas. Oula, probablement, ouais, c'est bizarre ça. Bah, il y a probablement pas. Alors, ton personnage porte-t-il des vêtements masculins? Oui. Ouais. Oui. A-t-il joué dans un film de super-héros? Non. S'agit-il d'un personnage de dessin animé? Alors là, pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Est-il méchant? Non, j'ai une miette, oui, mais non, même pas. Il est pas méchant, putain, non. Mais c'est compliqué ton truc, je suis pas Didi. Vit-il en Amérique? Non. A-t-il des cheveux noirs? Oui. Quoi? Est-il français? Non. Non, il est pas français? Non, non. A-t-il une épée? Non. Non, c'est pas qui avec toi du coup. Est-il anglais? Non plus. Johnny English. Non, non. Est-il allé dans l'espace? Non. Ouh, je suis en train de lui mettre la misère à ce gars. Possède-t-il un téléphone portable? Alors là, qu'une idée. Bah, probablement. Ton personnage fait-il des combats? Non. C'est quoi ton personnage? Existe-t-il... A-t-il réellement existé? Alors là, je sais pas. En gros, est-ce qu'il a existé et qu'il est mort? Est-ce que vous voulez du fromage? Je sais pas. Non, merci. Non, merci. Non, je crois pas. S'ils l'ont entendu, ce serait drôle. Je ne sais pas. Donc, nous reprenons. Désolé pour... si vous avez entendu ça, c'est très très drôle. Oui, on est dans un restaurant. C'est vraiment sur le pouce, quoi, comme vidéo. Allez, on continue. Donc, ton personnage est-il un personnage de série télévisée? Oui. Ah, oh, je sais qui c'est. Ah non. C'est Command Black. Non. Je sais pas. C'est où? C'est... comment il s'appelle? Mais de Boussy Cavalier. Ah non. C'est pas lui. La langue maternelle de ton personnage est-il espagnol? Non. C'est Wyatt. Non. Tout ce que je veux faire. Est-il américain? Non. Même pas. Putain, mais c'est qui alors? C'est 20 bien. Questions, frère. Non. Ton personnage est-il musulman? Je crois pas. Non, je sais pas. Habite-t-il en France? Non. Est-il allemand? Non. Nein. Arabe? Non. Noir de peau? Non plus. Turc? Non. Mais c'est quoi tes questions? Tu vas tous te faire, frère. Ton personnage? Oui. Européen, bah oui. C'est trop fort. Oui. Ah, il a trouvé. Oui. Il a trouvé ce Tous con. Tous les six objectifs. Il a trouvé ce con. Hercule Poirot. C'était vraiment ça? Ouais. Putain, bien joué. Il a trouvé. Il a galéré pendant longtemps, mais d'un coup, il a fait. Européen, pas allemand. Bon, le mec, il est belge, hein. Ah non. Non. La croix, salope. La croix. Salope. C'est bon, on a eu les croix. Wouh! Oh, un mouton. Non! Qu'est-ce qu'il me fait? La pire vidéo. Le bug. Non! Faire comment, en plus? C'est pas ma faute. Ah, mais c'est quoi ça? Appuie sur la croix. Mais oui, mais j'appuie sur la croix, je fais que ça. Oh, la galère, attends. Bon. Ah, c'était un bronze, celui-là. C'est quoi, bronze? C'est un petit enfoiré quand même, hein, ce jeu. Akio, c'est quoi le truc bronze? Salut, allez, rejouez. Parce que du coup, t'as eu une médaille bronze, moi j'ai dit, il y avait que des standards. Standard, ouais. Qui je vais prendre du coup? Attends, j'ai pas d'idée. Je sais qui je vais prendre. Allez, c'est parti. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre où l'école intro? Oui. Francky? Ton personnage, mais c'est pas lui le héros. C'est plus chaud ce qu'on voit. Ton personnage possède-t-il des armes? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux noirs? Oui. Hmm. Ça bug un coup. Hein. Ouais. Mais t'as raison, c'était ça, on s'est trouvé. Je vais pas chercher loin. Du si, non. Ouais, mais dis pas, faut qu'il trouve. Si, technique. Oh putain, quel monde de salauds. Bon bah attends, j'en fais. Bah je change de personnage du coup. Ouais, vas-y. Non. Arrête de faire ça. Du coup, on change de personnage. Donc, bah, dis-leur ton personnage, du coup. Bah, c'était Lucie dans Timeless, mais je sais pas si vous connaissez cette série. Elle passe sur TF1 à un moment. Alors, attends. Qui je vais prendre? Bonne question.
Attends, va t'occuper de ce cas-là. Alors, en attendant, moi, je vais faire ça. Donc, je sais, c'est une très bonne idée. Oui. Il a les cheveux noirs. J'espère que ça n'a pas bugué. Et ton personnage est issu de Dragon Ball? Non, c'est pas issu de Dragon Ball. Non, ce n'est pas un ninja. Ce n'est pas Naruto, ouais. Ton personnage est issu d'émission japonaise, j'arrive pas à parler, désolé. Oh là là, non. Ton personnage donne-t-il son nom à un film? Non. Ton personnage est-il un personnage de série télévisée? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Ton personnage joue-t-il dans les films au cinéma? Non. Ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo? Bah oui, un peu en fait. Oui, oui, bah oui. C'est quoi? Ton personnage est-il... Il combat pas, non, il combat pas, il est dans ma fin, il y a rien. Ton personnage est-il moustachu? Oui. Ton personnage a-t-il un rapport avec les génies? Oui. Aladdin, le génie. Non, non. Ton personnage a-t-il un enfant? Non. Ton personnage est-il un grand maître? Franchement, je sais pas. Il a trouvé. Ah, il est trop balèze. Ouais, il s'est trouvé lui-même. Chaud quand même, hein. Et en plus, il s'est mis des lunettes de soleil, là. Tiens, viens ici, toi. Tu vas choisir un personnage. Dis en gros. Dis-moi un personnage dans l'oreille. Voilà. De quoi? Dis-moi un personnage TV. Il y a une pub, ne t'en fais gaffe. Genre Disney et tout. Oh non. En gros, tu vas dire un personnage et on va essayer de le faire et trouver à quel acteur. C'est quoi un personnage? Un personnage comme par exemple, Pluto, Mickey, ça c'est des personnages. Trouve un personnage que tu connais. Ah, donc voilà. Bon, on va essayer de faire trouver le personnage Kidnator, le personnage de notre petit cousin. Ouais, c'est le petit cousin, c'est ça. Donc porte-t-il l'événement? Donc non. Bah il a un colis en soi, donc en vrai. Faire, hein. Petite volée? Non. Il vole pas. Est-il jaune? Oui. Bah oui. Par contre ouais, jaune. Non, c'est pas Pikachu. Non. est-il un Pokémon non plus? Oui. Les quatre pattes, oui. Ouais. Issu de studio Disney. Je crois qu'il a trouvé déjà. A-t-il été assassiné? Non, je crois pas, non. Est-il non. Été roi? Ah non, c'est pas Mufasa, désolé. Non, bah non. Non. Un rapport avec la royauté non, non plus. Non, toujours pas. Est-il oui. Un chien? Bon, il a trouvé un. Hein. Hein les chiens. Non, ah. Bah non, non, il a pas non, de non. Chat. Ouais. Oui, bon. Oui, oui, ouais. Il a trouvé plus tôt. À toi, du coup, attends. Alors. Putain, 6 t'en as. Ça, tu mets... Bah ça c'est les personnages genre super standard tu vois. Hercule Poirot c'est pas du tout standard. Je vais essayer d'en trouver un pas du tout standard. Chapeau. Ouais non attends non c'est pas bon c'est pas... Attends en attendant j'en vais en faire un là, si tu veux. Vas-y. Alors ton personnage a-t-il un chapeau particulier? Je sais pas. Vas-y, je trouve pas. Je vais le faire bug à chaque fois le truc. Non. Allez, nickel, vas-y. Le sauf qu'il a bugué. Ouh, c'est super. Alors, moi j'en ai un du coup. Porte-t-il un chapeau particulier? Probablement. Est-il moustachu? Non. Non, c'est pas Hercule Poirot, mon gars. Est-il réel? Non. Dans des dessins animés. C'est un dessin animé japonais, on va dire. Bah, c'est un manga quoi. Oui. Donc, oui. Bah, dessin animé, oui, en soi. Bah, c'est après. T'as une apparence d'animal? Non. Disney, non. Non. Porte-t-il des cheveux? Oui. Bah, oui. Ouais. Il n'y a pas de combat? Non. Est-ce que c'est un garçon? Oui. C'est un garçon. Permis de conduire? Non. Vit-il avec sa mère? Non. Est-il un adulte? Non. C'est vit-il dingue. En Amérique? Non. T'es racide. Porte-t-il le nom de que leur non enfin attends est-ce que l'œuvre a le même nom que lui genre Naruto non enfin il est dedans mais ouais c'est une émission japonaise bah oui, oui.
Vit-il en Angleterre? C'est pas Hercule Poirot, je t'ai dit, mon gars. Hein. T'iras pas avec une sport, pas con. Est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Ouais. Porte-t-il quelque chose sur la tête? Oui. Ouais. C'est pas Pokémon. Non, non. Tiens, un rapport avec le monde culinaire, je crois qu'il a trouvé. Un foudoir. Ouais, c'est comment il s'appelle, Soma. C'est Soma Yukira. Ouais, Yukira, dans Shugeki no Soma, donc traduit en français foudoir. Par foudoirs. Pas en français, en français par foudoir. Enfin, écoute. C'est plutôt anglais, mais voilà. Ouais, bah, tu vois, la France prend généralement les noms anglais, tu vois, des trucs. Hein. Attends. Oh, j'en ai un. Nique sa merde. Ah, il est bon en plus, j'aime bien celui-là. La croix. Ouh. Là, en haut. Attends. Putain, bon. Monde de pute. C'est la galère, les pubs. Voilà. Allez, j'en ai un. C'est parti. On en fait encore deux chacun après. Bon, alors, ton personnage parle-t-il des vêtements masculins? Non. Asuna. Mec, on trop vite. Ton personnage habite-t-il avec des vêtements féminins? Bah oui, du coup. Oui, la poil. Ton personnage est-il réel? Non. Va-t-il à l'école? Bah non. Enfin, il y est allé, mais pas là. Non, il n'y a pas la nation japonaise. Et non, ce n'est pas Disney. Non, pas de jeux vidéo. Non, pas bon. Dessin animé, non. Mickey. Un film, ouais, oui, il doit avoir des films. Ton personnage est gentil, oui. Non, alors non, elle fait pas du tout des combats. Un téléphone portable, je sais pas. Non, elle vit pas en Amérique. Non plus, pas en France. En Angleterre, oui, du coup. Non, pas Harry Potter, désolé. C'est Agatha Christie. Non. Merde. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre? Bah oui. A-t-il le pouvoir magique? Non. Avec ses deux parents, je sais pas. Tiré d'un roman? Bah oui, on peut dire ça. Ton personnage est-il mêlé à une enquête policière? Oui. A-t-il les cheveux blancs? Oui. Oui, tiré dans les énigmes. Oui, il a trouvé. Ah, le truc que mamie regarde, Miss Marple. Bah, moi aussi, je regarde ça, c'est trop bien, Miss Marple. C'est-à-dire que pour eux, Miss Marple. De quoi? C'est des trucs de policiers, de ça. De Agatha Christie. Ouais. Alors. Salut, oui, putain, c'est un standard encore. Oh, tiens, regarde, je peux personnaliser. C'est ridicule. Trop bien. J'ai envie de faire ça. C'est pas, ça coûte de l'argent, c'est parce que je me disais. Je suis à 1000. Alors. Ouais, bah, bon, on va jouer. Moi, je vais prendre un kebab, un maxi best-of et un coca. C'est féminin, non? Asuna. Ben non, j'ai dit pas sexe féminin. J'ai dit. Oui. Tilde des cheveux, oui. Kirito. Mec, tu pensais au personnage de One Punch Man? Il passe des cheveux noirs, c'est Kirito, allez. Non. C'est... Non, putain, fais chier. C'est Choupi. Va-t-il à l'école? Oui. C'est Choupi alors. Non. Principal, non. Non, putain. Fait-il des combats? Non. Non. L'issue japonaise, oui. Ok. Un rapport avec le milieu du sport, oui. Kuroko. Mais j'étais eu cheveux rouges ou roux, non plus, non. Kuroko. Petit bassinard, oui. Cheveux bleus, non. Putain, c'est Ah merde. Si, il a les cheveux bleus. Chier. C'est pas Kuroko. Non. Porte-t-il des lunettes? Non. Qui cache des cheveux bleus sinon? Des cheveux bleus, non. Des cheveux violets, non. Oui. Pommettise, oui. Ah bah c'est Il l'a trouvé. Au minet, bah du coup. Bah, monté sur ouais, les toits. Ouais, au minet, il a les cheveux bleus foncés du coup. Ouais. Ouais. C'est un coup, bleu, un bleu foncé. T'es monté sur les toits, oui, parce qu'il fait sa sieste sur le toit de son bahut. Ouais, mais il a quand même trouvé, tu vois. Il s'en bat les couilles. Ah! On sait qu'il avait trouvé. Bon, c'était Aomine de Kuroko's Basket. Et j'étais sûr qu'il avait trouvé, t'es bien qu'il était c'était sûr. Allez, un petit dernier. Attends, je m'en fais un après. Ok, un petit dernier après. Alors, qui est-ce que je vais prendre? Je sais. Oh non, je vais faire ça. Après, moi ça me ferait beaucoup marrer, mais lui il va pas comprendre, parce qu'il a pas regardé cette vidéo. Donc. Alors, est-ce que c'est une fille? Asuna. Non. Je sais. C'est qui? C'est Ladybug. Ah, ça va péter la con. Eh bah c'est nickel, j'adore quand ça marche pas. Ah là là, y'a quoi de connexion ici? Ah bah pourtant je suis un peu <4G. rire> Bon
Et bah, c'est comment ça va? Et bah, moi je viens de te dire probablement. Oh la galère. C'est déjà... vous que ça va remarcher. On est... Voilà, mettez dans les commentaires. Probablement. Mettez dans les commentaires. Ah bah non, vous avez perdu. Bon, on recommence. Bon, on recommence. Là où tu es. Désolé, hein, du coup, pour ça, ces... ça fait déjà 20 minutes. Moment, mais... 20 minutes qu'on est en vidéo. Nickel. Et du coup, je change de personnage. C'était pour la blague, je voulais mettre Kirito, tu vois. Mais vraiment pour la blague, quoi. Mais allez. Une fille. Non, Asuna. C'est pas une fille. Et rebug pas, toi. Non, c'est bon. Fait-il des combats? Oui. C'est pas Kirito. A-t-il des cheveux noirs? Non, il a pas des cheveux noirs. Trunks. A-t-il des cheveux? Oui, il a des cheveux. Saitama. Ton personnage est-il le héros principal? Non, c'est pas le héros principal. Est-il le méchant? Oui, c'est un méchant. Freezer. Non. Est-ce que c'est un ninja? Non. Merde. Et non, c'est pas One Piece, dommage. Hein. Les euros. Donc c'est pour One Piece. Eh bah, il a fait. Il a... Attends. Sandy. Oui, il a les cheveux blonds. Cheveux blonds. Et c'est pas sans vient là à dire. Je sais. Parce que c'est pas One Piece, tu vois, de base. Cheveux blonds. Franchement, j'ai peur qu'il ait déjà trouvé. Allez, bug pas, s'il te plaît, franchement. Quel enfoiré, tu sais. Ça va, les gars? Ouais, je suis tranquille. Eh non, il va pas à l'école. Et oui. C'est pas un vampire non plus. Ça va, man, avec les grands? Oui. Ils sont gentils avec toi. Ouais, c'est. Eh, on va le faire devenir une star, ce petit gars. Lucas, grâce à Akinator. Ouais. Est-ce qu'il a un rapport avec la mal... Ah. Pas vraiment. Je sais ce que je vais faire. Probablement. C'est compliqué. C'est pas. C'est, en fait, c'est pas vraiment de la magie, mais ça l'est un peu quand même, tu vois. Donc c'est, ouais, c'est bizarre. Je sais ce que je vais faire. Bah, je suis content pour toi. Est-ce que oui, c'est un humain? Oui, c'est un humain. Est-ce qu'il a des lunettes? Oui, il a des. Attends. Oui, il a des lunettes. Blond, il a des lunettes. Est-ce que ton personnage friend? Non, il est pas dans mon dans Interact Center. Allez, chais. Non, il se transforme pas en monstre. Par ses petits linges, non. Son Goku Super Saiyan. Non, il participe pas à un jeu. Il galère un peu là quand même. Non, il a bugué, c'est tout. Mais non, mais là, d'accord, mais bon, sinon il galère un peu. Comme le Hercule Poirot tout à l'heure. Il a un peu de mal. Tu peux pas prendre Bokpan, hein. Ça me ferait chier de tout recommencer. Si ça bug, c'est à moi de faire. Attends, Anne, ça va, vas-y. Ça a rien de bouger, hein. Un peu plus près des étoiles. Oh, j'ai un de l'argent. Pour oublier les rivages brûlants. Il fait fumant, bon. Ah, fait chier, attends, je vais faire un petit tour, voir si ça récupère un peu de 4G. Eh, voilà. C'est pas grâce à ça, je pense. Allez, capte un peu, s'il te plaît. Je suis en train de marcher comme un con. Avec le bras là. C'est bon! Ton personnage a-t-il tué quelqu'un? Non, il a pas tué quelqu'un. Et si, est-il masqué? Oui, il est masqué. Ton personnage fait-il partie de la série Miraculous? Trop fort! C'est noir. Bah non. Est-ce qu'il a trouvé? Bah non, mais... Oui, il a trouvé! C'est le papillon! Il est méchant, j'ai dit, c'est pas Chat Noir qui est méchant! Ah oui! Eh, trop fort, Akinator, il a trouvé le papillon! Au début, j'allais dire Chat Noir pour le deuxième, pour celui que j'allais faire, mais au final, non. Eh, franchement, eh, Akinator, lui, il est bon quand même! C'est un standard encore! Le papillon, mais qu'il a galéré à le trouver, frère! Qu'est-ce que tu parles que c'est un standard? Mais Dei Chanin, tu sais. Bon, alors, à moi. Le dernier. Le dernier. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. C'est que c'est féminin, non? Les derniers. Asuna. Ta gueule, je t'ai dit que c'était les pas derniers, ça, c'est féminin. Après, c'est la vidéo, elle est finie. Ouais, ça devient trop long, autrement, ça fait 25 minutes déjà qu'on tourne. Tellement existé, non. Il a pas existé. Le rôle principal, oui. Naruto. Ta gueule. C'est pas Naruto? Non. Dommage. Cheveux noirs. Oui, mais non. Oui, mais non. Comment ça? Ah, c'est Kagami. Les cheveux rouge et noir. Non. Non, il n'y a pas son nom. Non. A-t-il des cheveux déjà? Est-ce qu'il a les cheveux jaunes? Non. Est-ce qu'il va à l'école? Oui. C'est Choupi. Oui, c'est un peu ça, oui. Cheveux verts, non. C'est un minoré mal. Est-ce qu'il a perdu sa mère, ta con? Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'il fait partie de Bleach?
Alors, ton personnage fait-il partie de la série Bleach? Non. Non, pas Bleach. Oh là là. Est-ce qu'il a une queue? Oui. Naruto. Il a trouvé cet enfoiré. Il a trouvé Rino Kumura. Ah, Jeep Jeep. De Blue Exorcist, donc très bon manga, je vous souhaite de regarder. Pourquoi tu galérises sur la question? Parce que j'avais l'impression qu'il était un peu bleu. Ah ouais? Genre un peu comme Aomine? Ouais. Donc les amis, c'est là que cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez aimé. Et désolé encore pour les bruits de fond. Bah après, pour, on sait pas. Les interruptions. Ça se trouve, il y avait pas de bruit. Hein. Mais les interruptions, il y en avait. Mais les bruits, on sait pas trop. On verra au rush. Donc bah je vous dis, enfin on vous dit en l'occurrence, parce que c'est ta chaîne. Moi je prends. Bonne fin de vacances et bonne rentrée. Attends frère. Hey, bonne fin de vacances. La rentrée c'est demain. Donc bon. Donc, bonne fin de vacances. Et profite de la journée. Voilà, je pense que vous l'avez entendu. Mais bon, bonne fin de journée. Bonne rentrée pour ceux qui rentrent demain. Si vous regardez cette vidéo. Oui, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Partagez. Bah ouais, bah je te fais tout, je sais pas faire. Si. Donc voilà, et bah je vous dis à plus. Hein. Allez, dis au revoir, Maël. Au revoir. Ok, c'est quoi.